Bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point sur le Samsung Galaxy S21 FE. Pour ce smartphone, Samsung met en avant principalement trois critères qui sont mis en avant souvent sur les smartphones en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. La photo, la puissance et l'écran. Le Samsung Galaxy S21 FE sera légèrement plus compact que son cousin, le S20 FE 5G, je vais y arriver. Il sera équipé d'un écran dynamique AMOLED 2X d'une taille de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. Et une fréquence d'image maximale de 120 Hz, puisque oui, il y aura certainement une fréquence d'image adaptative en fonction de ce que vous faites dessus. Donc si d'un coup vous bougez à fond la caisse, ça va monter à 120 Hz, mais si c'est que du texte affiché en fixe, bah, ça peut descendre jusqu'à, je sais pas, 20 Hz, un truc comme ça. Tout ça dans le but d'économiser de la batterie, évidemment. Et sous l'écran, on aura un capteur d'empreinte digitale. Sur le devant du smartphone, on aura un capteur frontal de 32 mégapixels avec une ouverture f2.2. Alors par contre, 32 mégapixels comme d'habitude, pourquoi ? Voilà, je trouve que ça sert à rien, c'est débile. Donc ça, c'est pour l'écran et un petit peu la photo. Au niveau de la puissance, eh bien là, la puissance, on aura un processeur Snapdragon 888, triple 8, 888, super, c'est incroyable. Le tout sera accompagné de 6 ou 8 Go de RAM suivant les modèles et de 128 ou 256 Go de stockage en interne. Au niveau de la batterie, on sera sur une batterie de 4500 mAh qui va promettre une bonne autonomie quand même. Une recharge en filaire qui se fera à 25 watts et en 15 watts sans fil. Évidemment, dans la boîte du Samsung Galaxy S21 FE, il n'y aura pas de chargeur, il n'y aura pas de bloc chargeur qui sera fourni dans la boîte. C'est terminé cette époque-là. Faudra en acheter un à part si vous n'en avez pas ou réutiliser un bloc chargeur que vous avez. C'est ça le but. Ah oui, c'est pour l'écologie. Il faut réutiliser les anciens blocs de charge. Si on nous avait pas dit une époque que non, ce bloc de charge fonctionne uniquement avec cet appareil-là, machin, les gens auraient peut-être compris le truc. Mais bon, c'est le commerce. On revient un peu sur la photo, puisque là on va parler du capteur photo qu'il y a au dos du téléphone. On aura un objectif grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture focale f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels également avec une ouverture focale f2.2 et un téléobjectif 3x, donc un zoom 3x, 8 millions de pixels avec une ouverture focale f2.4. 8 millions de pixels, ça peut paraître un peu juste, mais je peux vous garantir que pour de la HD ou de la Full HD, c'est largement suffisant. Le Samsung Galaxy S21 FE sera décliné en 4 coloris. C'est des coloris qu'on a déjà vus chez Samsung. Le coloris olive, graphite, blanc et lavande. Lavande, c'est un coloris un petit peu bleu, rose, un peu pâle, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est un coloris très pâle. Alors, le prix ne nous a pas encore été communiqué, mais on attend, en fait, puisque le smartphone va sortir au mois de janvier. Voilà, vous savez tout. Alors exceptionnellement, cette vidéo a été uploadée le samedi matin, puisque c'est Noël, et je voulais tout simplement vous souhaiter un excellent Noël, un joyeux Noël. Alors je sais que c'est un peu passé, le réveillon c'était hier, aujourd'hui vous ouvrez les cadeaux, mais mieux vaut tard que jamais, je vous souhaite un joyeux Noël. Et profitez-en encore ce soir, tiens, ben oui, on est le 25 décembre, faites une deuxième brinque ce soir, avec vos potes, on s'en fout que le travail, machin, faites une deuxième fête ce soir, ça fait 365 jours qu'on attend ce moment, allez-y, bordel de merde, vraiment, sincèrement, joyeux Noël à tous, et à toutes aussi, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans l'assistance. Oui, j'essaie d'être inclusif, t'as vu, bon, c'est pas encore parfait, mais enfin, on essaye, tu vois, c'est déjà pas mal. Voilà, vous savez vraiment tout, c'était Seb, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de très bonnes fêtes, et à la semaine prochaine, ciao, merci, merci.